Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Mourir Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman Shlomo Binyamin Ben Mazal, ainsi que les Refouat Sarah Bat Beti Rivka, Rafael Zvolon Ben Chaimalia, Myriam Bat Hasida et Dov Ben Yodit Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Roulin, Perek He, Mishnah He. Yom Echad Ha'amur Be'oto Ve'et Beno, Hayom Holech Achar Alayla, Et Zo Darash Shimon Ben Zoma. נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו בית בנו יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית? היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד האמור באותו בית בנו, היום הולך אחר הלילה. Voilà une Mishnah tant attendue depuis le début du Perek, où on avait évoqué l'interdit général de ne pas égorger une vache et son petit veau ou génisse dans la même journée. Qu'est-ce qu'on appelle une journée dans la Torah? Vous savez bien qu'il y a deux manières de calculer. De manière générale, ça va être le sujet de la Mishnah. Toujours, vous connaissez bien le début de la Torah. Vayi erev, vayi boker yom echad, vayi erev, vayi boker yom sheni. En général, on a toujours la nuit et le début de la journée, et la journée qui suit, c'est la fin de la journée. C'est-à-dire, dans une journée de 24 heures dans la Torah, ça fonctionne de la nuit jusqu'à la fin du jour. Du début de la nuit jusqu'à la fin du jour. D'accord? Shabbat, on commence le vendredi soir. N'importe quel jour de fête, on commence le soir. Rosh Chodesh, on commence le soir. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même une exception à la règle. C'est au Beth Amigdash. Au Beth Amigdash, lorsqu'on apporte un korban, cette fois-ci, on ne dit plus que Ayom Olech Achar Alayla, mais on dit que Alayla Olech Et Achar Ayom. On ne dit plus que le jour va selon la nuit, mais on dit que la nuit va selon le jour. Le principe, il est inversé. On a déjà évoqué le principe, on l'a déjà rencontré dans Zerchim, dans Menachot, à propos du Lechem Apanim. On avait une petite. On ne va pas allonger dessus, mais en tout cas, concrètement, très succinctement, toujours, on égorge dans la journée, et la nuit qui suit, c'est le prolongement de la journée, pour plein de finir toutes sortes de mitzvot qui étaient à faire avec le korbanot, où on t'avait dit de le faire dans la journée. Bah, yom ha'ou yachel, dans la même journée, tu le mangeras, ça implique la journée, et la nuit qui suit, parce que la nuit d'après va selon la journée qui a précédé. C'est la seule exception à la règle, en fait, c'est au Beth Amikdash. D'accord ? Maintenant, on arrive avec la question importante de Oto Ve'et Beno, Lotishratu Be'yom Echad. Le Shor Ose, Oto Ve'et Beno, Lotishratu Be'yom Echad. Un taureau et son petit. Un plutôt. Shor Ose. Ouais, un taureau ou un mouton, de la famille des moutons, des béliers. Oto Ve'et Beno, lui et son petit, Lotishratu Be'yom Echad. Vous ne les égorgerez pas dans une même journée. La question de la notre mission est de savoir à qui se rapporte le Yom Echad qui a été dit. Yom Echad, une journée. Une journée, d'abord, ce n'est pas 24 heures. Quand la Torah l'a exprimé, une journée qui dure 24 heures, ce qu'on appelle un Me'et Le'et, d'un moment à l'autre, alors la Torah exprime ça, par exemple, dans Im Yom O Yomaim, un jour ou deux jours. Quand la Torah a utilisé cette expression-là à propos du celui qui a frappé son voisin, son esclave et qui est mort, là-bas il y a marqué O Yom O Yomaim, un jour ou deux jours. Et la Gemara l'interprète, un jour ou deux jours, en fait, je veux te parler d'un jour qui fait l'équivalent de deux jours. En général, lorsque vous allez le prendre 24 heures, vous allez être à cheval sur deux jours. D'accord? Ça, donc, quand la Torah a envie de me dire 24 heures montre en main, la Torah s'exprime en me disant Yom ou Yomaim. Mais si la Torah me dit Yom Echad, un seul jour, alors de deux choses l'une. Soit la nuit puis le jour qui suit, soit le jour et la nuit qui suit. On a dit de manière générale, la nuit est toujours le début de la journée, et la journée c'est la fin de la nuit, c'est la suite de la nuit qui a précédé. En général, sauf au Beth Amikdash. Sauf pour toute la avoda des korbanot. Le pasuk de Oto Ve'et Beno, de la mitzvah qu'on est en train d'apprendre, on le trouve dans la Torah, dans une paracha qui parle que des korbanot, avant comme après. C'est la paracha de Shor Kesev Oez, qui va l'aide, qu'on lit dans les jours de fête, où là-bas on évoque tous les korbanot de toutes les fêtes. Et d'ailleurs, la Mishnah commence en me donnant des instructions sur les korbanot. Alors là, il y a lieu de se tromper, peut-être. Même plus que de se tromper. Il y a lieu de dire presque justement, si ce n'était qu'on avait l'impression qu'il allait dire le contraire. Écoute, tu me parles dans les corbanotes de l'interdit de Oto Ve'et Beno, lui et son petit. Eh bien, je déduis de là qu'on pourrait se tromper et croire que eh bien, ça marche comme dans le système des corbanotes. Quand je te dis ne pas égorger dans la même journée, c'est ni depuis le matin jusqu'au lendemain matin. On aurait pu croire que la nuit qui suit va selon la journée qui a précédé, et pas la journée qui a précédé selon la nuit. C'est pour cela que la Mishnah va venir m'enseigner que non, c'est pas comme ça, et là ça fonctionne
comme dans toute la Torah où la nuit puis le jour, c'est-à-dire la journée prolonge la nuit qui a précédé. En fait, si vous voulez, je vous vends un taureau dans cette journée-là, on est mercredi aujourd'hui ou jeudi, alors je vous le vends, eh bien, un il égorge 10 minutes avant la shkia et l'autre il égorge une demi-heure après la shkia, enfin, c'est sûr que c'est la nuit d'après qu'on est rentré dans le jour, et il n'y a aucun problème et on n'a pas transgressé l'interdit de l'autobéno. D'accord? Parce que la nuit commence la journée, on commence le décompte, il commence la, donc on a le jour qui va selon la nuit en fait. D'accord? On fait tout ça dans les mots. Yom echad ha'amur be'oto ve'et beno. Une journée qui a été dite dans le pasouk de Oto ve'et beno. Ne pas égorger lui et son petit dans la même journée. Ayom holer achar alayla. La journée va selon la nuit, c'est-à-dire la journée prolonge la nuit précédée. Qui a précédé. D'accord? Comme ce qu'on a expliqué. Et zo darash Shimon ben Zomar. C'est telle est la dracha, la déduction des psukim que Shimon ben Zomar a déduit des psukim. Comment il a fait ça? Ne'emar ben Maaseh Bereshit yom echad. Il y a dans la paracha de Maaseh Bereshit, dans Bereshit, le premier jour de la création, il y a marqué Vayi Erev, Vayi Boker, yom echad. Il y a marqué le premier un jour, yom echad, un jour. Et regardez dans Ve'ne'emar be'otoved beno, yom echad. Et même dans la mitzvah de Otoved beno, ouais, ne pas égorger la vache et son veau dans la même journée, eh bien, on a marqué le mot Yom Echad, Shor Ose Oto Ved Beno, Lotishratu, Be Yom Echad, en une journée. Eh bien, Ma Yom Echad Amur Be Maaseh Bereshit, autant que le Yom Echad, un jour qui a été exprimé dans le Maaseh Bereshit, dans la paracha qui parle de la création du monde, là-bas tu remarques que quoi? Ayom Holech Achar Alayla, la journée va selon la nuit, c'est-à-dire la journée prolonge et termine le jour qui a commencé depuis la nuit qui a précédé. Donc le jour va selon la nuit. Af yom echad amur beoto ve'et beno. Il en va de même aussi pour le yom echad, le un jour qui a été exprimé dans oto ve'et beno, dans la paracha de l'otishrato be yom echad, ne pas égorger oto ve'et beno dans une journée. Eh bien, il y a marqué là-bas le mot yom echad pour t'apprendre que hayom holech achar alayla, pour t'apprendre que le jour qui suit, le jour va selon la nuit qui a précédé, donc le jour finit la journée. Et ce que je vous ai expliqué, qu'il y avait nécessité de ne pas se tromper et de déduire des corbanotes, c'est en fait tout expliqué dans le Marte Noir, vous avez qu'à lire si vous voulez. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sarah.